Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc dans le petit tutoriel d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser un VST FX en MIDI. Exemple, Tal Vocoder, donc c'est un vocoder gratuit fait par Tal Software qui doit être utilisé en MIDI dans Reason. Donc déjà, comme d'habitude, on va aller faire un petit tour sur le site de Tal Software, puisqu'il y a pas mal de petits plugins gratuits. Donc l'adresse c'est https://tal-software.com et vous avez une section effets, donc tous ces effets et synthé gratuits, et il y en a encore en dessous. Donc tout ça c'est à découvrir, je vous laisserai aller sur le site, mais on va voir tout de suite comment utiliser un effet en MIDI qui doit être commandé en MIDI. Donc là j'ai créé une petite piste avec des voix. Party. Check. Low. Party. Get. Cup. Shot. Voilà, maintenant je vais prendre le Tal Vocoder, je vais le mettre à l'intérieur. Donc il est en insert, et ce que je vais faire, je vais créer une bande de notes. Donc ici, on a, quand on va sur le plugin, qu'on clique droit, on a créé une piste pour Tal Vocoder. Une fois que c'est fait, hop, je me mets sur la piste, et là je fais clic droit encore, et je fais créer nouvelle bande de notes. Voilà, donc j'ai créé ma bande de notes, et maintenant, dès que je vais mettre ma piste en marche, donc il n'y a plus qu'à enregistrer. Il faut bien faire gaffe que le petit rond rouge de la piste de l'FX soit activé. Et voilà, mon enregistrement, mon utilisation d'un VST FX en MIDI est faite. Voilà pour ce petit tricks. C'était une demande d'un utilisateur de Reason, Reason Intro, puisqu'il n'y a pas le vocodeur de Reason dedans. Il faut utiliser un vocodeur en VST FX. Et pour une utilisation MIDI, voilà ce qu'il faut faire. Donc ça va marcher aussi bien pour des plugins genre Tal Vocoder, mais ça peut marcher aussi pour Stutter Edit de chez Isotope, puisque là aussi il faut déclencher des notes MIDI pour avoir accès à l'effet. Donc c'est tout simple, on clique droit, on fait créer banque de notes, et ensuite on se met sur la piste et on fait créer nouvelle bande de notes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est tout court, hein. C'est vraiment pour montrer comment faire, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut!